Ok. Alors, bonsoir, 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 chers amis. Alors, on va parler un peu de l'échec de John Soro et de son ami Assimi Goïta. Ça fait maintenant bientôt plus d'un mois que nos soldats sont arrêtés. Depuis le début, j'ai été clair avec les uns et les autres. Je vous ai dit. L'objectif visé, c'était de soulever l'armée ivoirienne contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est ce que Soro est allé dire à Assimi Goïta. Comme on a tout essayé, on a lancé l'insurrection d'octobre. On a tout essayé, on n'a pas réussi. La seule façon aujourd'hui pour déstabiliser le pouvoir d'Abidjan, c'est de faire de sorte à arrêter nos soldats. Beaucoup ont pensé que je mentais. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Tout ce qu'Assimi Goïta a utilisé comme argument n'avait pas vraiment de sens. Moi, le jour, quand Assimi Goïta a pris nos soldats, puis le lendemain, j'ai vu Soro faire une sortie où Soro proposait déjà pour les négociations le Congo et l'Afrique, et comme on appelle eux, le Togo. J'ai compris par là que c'est Soro qui a dit à Assimi Goïta, il faut arrêter les forces spéciales. Parce que les forces spéciales, eux là, on les appelle le dernier recours. Ceux-là, ils peuvent se soulever contre le pouvoir du président Ouattara. Ils peuvent renverser le président Ouattara. Tu les prends, tu les gardes, tu ne baisses pas les bras. Il faut te promener avec lui dans toute la sous-région. Va à lui partout, il faut dire allons au Togo, allons partout, 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 comme ça tu as le temps. Mais Soro a oublié que nous, on a déjà vécu ça. En 2002, là, quand il y a eu la rébellion, on a connu ça. On a tourné au Mali, on allait au Togo, au Ghana, Afrique du Sud, Sénégal, on a fait le tour de l'Afrique. À la fin, on s'est retrouvé avec 3 000, on s'est retrouvé avec 3 000 morts en 2010. Il n'y a jamais eu de désarmement. Soro a occupé 60% du territoire, il a pillé tout. C'est la même stratégie que Soro a utilisée avec Assimi Goïta. Des soldats qui sont au Mali depuis 2013. Et on sait que l'État, c'est une continuité. Même si vous avez fait un coup d'État, vous avez renversé Ibeka, vous avez fait 2 coups d'État en un an, vous deviez être quand même conscient. Conscient quand même. Mais comme Assimi Goïta sait que les Maliens, la plupart ne comprennent pas véritablement parce que eux, le langage qu'ils parlent, c'est le Bambara. Donc avec le Bambara, il arrive à jouer les victimes, il arrive à mener les Maliens à comprendre que lui, Assimi Goïta, il a raison. Mais Assimi Goïta a oublié que nous, les Ivoiriens, on ne se laisse pas distraire. Assimi Goïta a oublié que nous, on ne se laisse pas distraire. Ils ont mis une batterie, une machine sur les réseaux sociaux où ils racontaient du n'importe quoi. Ils ont commencé à organiser des gens, ils ont créé des pages Facebook. En si peu de temps, ces pages Facebook-là, ils ont commencé à booster ces pages. Les Franklin, Niamsi, eux, tous leurs groupes, les Sekou. Mais ils ont oublié que nous, là, nous, on ne se laisse pas faire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est le seul pays qu'on a. Après la Côte d'Ivoire, nous, on n'a plus autre pays. On n'a plus autre pays. Donc, je suis ici pour dire à John Soro que nous, la Côte d'Ivoire, on ne va pas demander pardon à Assimi Goïta. Parce que c'est un putschiste. Il a fait un coup d'État. Nous n'allons pas nous incliner devant des putschistes. S'incliner devant Assimi Goïta, c'est légitimer le coup d'État. Moi, je l'ai plusieurs fois, je le dis dans mes vidéos, je dis qu'il n'y a pas de différence entre les djihadistes, les terroristes et les putschistes. Et ceux qui font le coup d'État. Le seul moyen qu'ils utilisent, c'est la violence, ce sont les armes. Voilà, pour accéder au pouvoir d'État. Donc, allez-y dire à Soro que Zasso dit que tu as échoué. Tu as échoué, il faut dire à ton frère Assimi Goïta, il n'a qu'à laisser nos soldats rentrer. Il n'a qu'à rentrer nos soldats rentrer parce que plus il les garde, plus ça devient dangereux pour lui-même.
C'est vrai, il a besoin de ces soldats-là pour convaincre le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, quand il avait son coup d'État, l'objectif du coup d'État, il avait reproché au président Ibeka que Ibeka n'arrivait pas à chasser les djihadistes, Ibeka n'arrivait pas à chasser les terroristes. Il était là quand les terroristes attaquaient le Mali. Il était là quand les terroristes attaquaient, tuaient les Maliens. Il a fait un coup d'État avec l'appui de l'imam Diko. Lui, voilà un homme de Dieu qui instrumentalise les Maliens. Parce que là-bas, au Mali, c'est la religion, c'est l'islam. C'est l'islam qui, en tout cas, qui a le monopole. Donc il suffit de dire aux Maliens que Ibeka fait ceci, Ibeka est cela, ou bien la France est comme ça, la France est ceci, ou le président Alassane Ouattara est ami des Français, il développe la Côte d'Ivoire, chez nous ici, on est pauvres, donc ce qu'on doit faire. Donc les Maliens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, au-delà même du combat que nous sommes en train d'engager, on compte maintenant aller maintenant, après, on va aller dans les pays de l'Afrique pour aussi libérer ces États-là. Parce que je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a un mouvement, un vent de désintoxication, de manipulation qui est en train de prendre certains pays de la sous-région, pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Vous arrivez aujourd'hui au Ghana, les Ghanéens sont civilisés, ce sont des démocrates, ils travaillent, ils avancent. Mais arrivez aujourd'hui au Mali, arrivez au Burkina, arrivez en Guinée, c'est la honte. C'est la honte. À ce 21e siècle, des coups d'État sont légitimés. Des rébellions sont légitimées. Des soulèvements populaires contre des régimes. Comment tu peux voter, finir de voter un président? On finit de voter un président et le lendemain, on va faire un coup d'État contre le président. Chers amis, les pro-Assimi Goïta ont beaucoup signalé ma page. Donc, en fait, très attention, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que je suis leur ennemi. C'est ce qu'ils disent. Alors que moi, je ne suis pas votre ennemi. Voilà, je ne suis pas votre ennemi. Je fais des vidéos pour vous sensibiliser. Je fais des vidéos pour vous éduquer. Je fais des vidéos pour vous interpeller. Parce que moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, là, ce qui peut sauver l'Afrique, c'est la démocratie. Ce qui peut aujourd'hui sauver l'Afrique, c'est la démocratie. Il n'y a pas autre moyen aujourd'hui. Organiser des élections de façon... Organiser des élections, confier le pouvoir aux civils, des gens viennent avec des programmes, des projets de société, ils les présentent au peuple. Et puis, on avance. Mais aujourd'hui, l'affaire des coups d'État militaires et autres, ça ne va jamais faire avancer l'Afrique. Depuis l'indépendance, le Mali est toujours otage des coups d'État. Depuis les indépendances, le Mali a toujours été otage des coups d'État. Même le premier président du Mali a été victime d'un coup d'État. Le premier président du Mali, là, c'est par coup d'État, il est parti du pouvoir. Donc, quand on arrive là, c'est une malédiction. Moi, j'appelle ça malédiction. Moi, je n'appelle pas ça combat. C'est une malédiction, ce qui se passe au Mali. Le rôle de l'armée, c'est de défendre et de protéger un pays. Le rôle de l'armée, c'est de défendre et de protéger un pays. Le rôle de l'armée n'est pas de faire des coups d'État. Le rôle de l'armée n'est pas de faire des coups d'État. L'armée est faite pour chasser ou bien combattre les djihadistes, les terroristes et autres, les bandits de grand chemin. Chez nous, aujourd'hui, dans nos continents, dans les pays francophones, les armées sont au service des hommes politiques. Les armées déstabilisent les institutions. Les armées fragilisent les États. Et quand tu dis ça, beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui pensent que non, faire un coup d'État, c'est une solution. Mais un coup d'État, là, ça stoppe tout. Il n'y a plus d'investisseurs, toutes les portes sont fermées et puis il n'y a rien. Personne ne peut prendre son argent, venir investir dans un pays où il y a les militaires au pouvoir. On a connu ça avec Guy Robert. Nous avons connu ça avec Guy Robert. Dès qu'il y a des coups d'État dans vos pays à répétition, ces pays-là n'avancent plus. Ces pays-là reculent. Quand il y a des coups d'État à répétition dans vos pays-là, vous n'avancez jamais. Vous n'avancez jamais. Regardez Centrafrique aujourd'hui. Vous arrivez en Centrafrique, c'est la misère, c'est la pauvreté. Vous arrivez aujourd'hui au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Ces pays-là sont fragilisés.
Il y a des maliens qui me disent, Sassou, le président Ouattara est à la base des problèmes de la sous-région. En fait, ils ne connaissent pas le président Ouattara. Le rôle qu'il a joué auprès de vos dirigeants, lui, il a fait les grandes institutions internationales. Il a participé à construire les économies de ces pays. Il dit, je viens être président pour me mettre au service non seulement de la Côte d'Ivoire, mais au service de l'Afrique. Dites à Sile d'arrêter de signaler ma vidéo. Il n'a qu'à arrêter, les pros sur les n'ont qu'à arrêter. Ils signalent trop mes vidéos dans tous les groupes qu'on m'a. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Moi, je suis un démocrate. Je le dis, c'est la vérité seule qui peut sauver l'Afrique. Aujourd'hui, on sait que nos populations, là, on sait que les gens sont beaucoup analphabètes. Donc, c'est à nous d'expliquer véritablement ce que c'est que la politique à nos parents. La politique, là, c'est le développement. Faire les routes, les ponts, les échangeurs, construire les hôtels, construire les grandes écoles, les centres de formation. C'est ça qu'on appelle la politique. Les droits de l'homme vont être respectés, tout ça. C'est ça là la politique. C'est-à-dire changer le quotidien de nos populations. C'est ça qui est la politique. La politique là, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas les injures. Quand Zassou est en direct, tu vas venir insulter, tu vas signaler les vidéos des Zassou. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu es inculte, tu es immature, tu ne comprends pas là ce que c'est que la politique. La politique là, c'est que toi-même, chaque jour, quand tu te réveilles, il faut que ta vie change. Il faut que tu travailles. Tes enfants doivent aller à l'école, ils doivent avoir la paix. Tes parents au village doivent aller dans leur champ, partout, sans qu'ils ne soient agressés. C'est le sens véritable de la politique. C'est le sens véritable de la politique. Et c'est ce que les Occidentaux font ici, les Blancs là, c'est ce qu'ils font. Chaque jour, les pays sont en chantier, leurs pays sont en chantier. Aujourd'hui, arrivé à Paris, quand vous arrivez à Paris, Paris est en chantier. Hein, chaque jour, tous les pays de l'Europe sont en chantier. L'Afrique doit se mettre au travail. L'Afrique, le Mali doit se mettre au travail. Le président Ouattara n'est pas ennemi des Maliens. Le président Ouattara, là, aujourd'hui, c'est l'un des présidents qui a mal. Ce qui se passe là, le président Ouattara aujourd'hui a mal. Je vous dis la vérité. Quand Ibeka a pris le pouvoir, quand Ibeka a gagné les élections, quand Roche a gagné les élections, quand Alpha Condé a gagné les élections, ils ont appelé le président Ouattara pour dire au président, il faut voir tes amis là, tes partenaires du monde entier. Ils n'ont qu'à nous aider à avoir des financements pour développer nos pays. Mais le président Ouattara a pris son téléphone, il a pris ses contacts, ses réseaux et il a mis ça à la disposition de ces pays-là. Le Mali a bénéficié de beaucoup de financements. La Guinée, le Burkina. Mais tout ça a été freiné par un coup d'État. Donc, c'est le président qui a maintenant mal parce qu'il a convaincu ses amis, il leur a dit, moi, je fais confiance à ces présidents. Je mets mon image, je suis la garantie. Moi, Alassane Ouattara, là, je suis la garantie. C'est comme ça que vos présidents ont eu des gros financements. Il y a un jour, il y a eu une émission au cours d'une émission, d'une grande réunion où le président Alpha Condé avait pris la parole. Et ils jouaient les panafricains, ils jouaient les gens qui parlaient d'indépendance, de souveraineté. Mais le président Ouattara avait pris le micro pour lui dire, frère, on est en direct et on est suivi. Parce que dans la journée, tu fais croire à ta population que tu mènes une lutte contre les Occidentaux. La nuit, tu te réveilles, tu te lèves, tu es encore derrière les Occidentaux pour qu'ils te donnent l'argent. Tu dis que tu n'aimes pas la France, ça c'est ce que tu dis à tes parents. Maintenant, dans la nuit, tu te caches. Pour aller dire à l'homme, c'est comme beaucoup de personnes, eux ils n'aiment pas Zasso, ils m'insultent chaque jour. Mais les mêmes là, ils passent par des gens pour dire Zasso, mon enfant ne va pas à l'école, ma femme doit accoucher, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Moi-même quand je n'allais pas là, j'appelle certains de mes aînés pour dire au grand frère, ah il y a telle personne qui a tel problème. Quand je m'en vois, je m'en rends compte, ce sont les mêmes gens qui m'insultent là. Ce sont les mêmes gens qui m'insultent là, c'est-à-dire, moi je te donne mon argent, tu t'as payé connexion pour venir m'insulter. Tu crées un faux profit, tu m'insultes. Mais quand tu as problème là, tu dis, ah Zasso, tu es dans mon inbox. Moi, je suis un homme politique. Je suis là pour... Si, j'ai dit, je prie toujours Dieu de me donner les moyens pour aider. Quand tu fais FPI, PDCI, on est des Ivoiriens, on est des frères. On doit être ensemble, on doit s'aimer, on doit partager ce qu'on a ensemble. On doit vivre. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble.
C'est ça le vrai vivre ensemble. Ça dit, tu es mon frère, tu es PDC, tu as un problème, tu viens me voir. Si je dois voir quelqu'un pour t'aider, je le ferai. Et ça, beaucoup de personnes me connaissent pour ça. C'est le sens véritable même de moi-même au combat politique. C'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui en Afrique. Ils vont partout. Hein? Le président Ouattara comme ça. Mais les mêmes chefs d'État, là, le président Ouattara les a aidés à avoir de gros financements. Le président Ouattara a permis aujourd'hui en Guinée, les hôtels qu'on a construits en Guinée. Guinée, là, il n'y avait pas d'hôtel. Les grands hôtels qui sont là aujourd'hui, là, où les Doumbia vont aujourd'hui, là. Mais c'est Alpha Condé qui a construit. Mais c'est avec les relations du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire ici, là, c'est la caisse. Notre pays, là, la présidence, là, c'est une caisse sociale. C'est des milliards. Même le Mali, qui est le Mali, nous doit. Aujourd'hui, là, plus de combien de milliards, plus de 80, combien de milliards que le Mali nous doit en électricité. Mali ne paye pas nos courants. Mais comme on sait que le Mali est coupé en deux, on sait que 60% du territoire malien est occupé par des djihadistes, nous, on fait avec. Nous, on partage avec les Maliens, on a pitié d'eux, c'est des peuples qui n'ont rien. Donc, nous, on a pitié d'eux. Sinon, on peut dire à Assimi Goïta, nous, on peut aussi poursuivre Assimi Goïta devant l'ONU. On peut dire à l'ONU que non, convoquer une réunion parce qu'Assimi Goïta nous doit, il ne veut pas payer notre argent. On peut le convoquer. On peut le convoquer. La Côte d'Ivoire peut convoquer Assimi Goïta pour dire tu nous dois, tu ne payes pas nos courants. Il y a des gens qui ont dit, Zasson, pourquoi Ouattara ne coupe pas? Au départ, là, moi-même, je voulais aller couper le courant. Là. Au début, moi, je voulais aller couper le courant. Là. Mais j'ai vu que le président Ouattara a raison. Parce que si on coupe tout de suite le courant, depuis Ferke, les gens qui sont dans les hôpitaux au Mali, là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et puis les djihadistes, là, ils vont rentrer à Bamako. Si on coupe le Mali, on coupe le courant, là, les djihadistes, là, ils vont rentrer à Bamako. Parce qu'on va mettre le Mali dans le noir. Si on fait ça même en 24 heures, Assimi Goïta tombe. On fait ça en 24 heures, Assimi Goïta tombe. Leur groupe électrogène, là, ils n'ont pas carburant, ils n'ont pas gasoil. Tous leurs camions sont bloqués ici. Ils ont allé chercher des vieux groupes électrogènes en Mauritanie. Regardez-moi, des gens qui veulent leur souveraineté, qui s'en vont prendre des vieux groupes électrogènes en Mauritanie. C'est honteux. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de groupes électrogènes. Nous, Dieu nous a bénis. On a la mer, on a les barrages, on a tout. On a tout. Et Dieu même, là, pour combler tout, nous a donné le président Alassane Ouattara. Donc, nous, on n'a pas de problème. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est en chantier. On est en train de développer notre pays. J'entends des gens dire, non, Ouattara est étranger, Ouattara est ceci. Nous, là, on s'en fout de ça. Il soit chinois, oh, il est japonais, oh, il est ça, oh, nous, on s'en fout. Nous, on sait que le président Ouattara, là, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Son père a participé avec Oufuo Boigny. Je vous dis toujours que son père, là, il enlevait son argent pour donner à Oufuo Boigny. Pendant les grandes luttes, là, de l'indépendance, là, son papa était un grand commerçant. Son père, le père d'Alassane Ouattara, il donnait l'argent à Oufuo Boigny. Ce sont ses ancêtres qui ont libéré la ville de Kong. Kong qui est là, qui est aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, là. Ce sont les ancêtres de Ouattara qui se sont battus pour que Kong soit dans la Côte d'Ivoire. Donc, le président Ouattara, il suit les traces de ses ancêtres. Depuis que lui, le pouvoir, vous qui parlez, il est étranger, il est ceci. Je vous pose la question. Vous dites qu'il est étranger, mais pourquoi depuis le pays pouvoir, et puis le pays, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas coup d'État, le pays est protégé, le pays se développe. Un étranger, il faut être digne fils pour protéger ton pays. Tous les présidents qui ont su protéger leur pays, qui ont maté les rébellions, les coups d'État, les mutineries et autres, ce sont des présidents, ce sont des vrais fils, ça dit. C'est la tête de nous, ça dit l'amour que Zasso a pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, Zasso est prêt pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça le président Ouattara est prêt pour la Côte d'Ivoire. Lui, c'est un digne fils. Bédié a pris ce pouvoir. Bédié, elle a pris le pouvoir là. Quand Oufuo Boigny est mort, Bédié allait prendre des gendarmes. Il allait à la RTI, hein, des gendarmes, il était là-bas, puis il vous a dit, nous, on n'a qu'à se mettre à sa disposition. Mais après, il y a eu quoi? Il y a eu un coup d'État. Bédié était à Daoukouro, il partait chez lui, après Pretou, Daoukouro allait boire son badji. Il était quelque part en train de prendre son badji, et puis il y a eu un coup d'État ici. Parce que ce n'est pas des fils, ça dit, leurs jeunes, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Leurs parents ne se sont pas battus pour la Côte d'Ivoire. Quand ton père a souffert pour un pays, quand tu es au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui va te faire coup d'État. C'est moi, Zasso, je vous dis ça chaque jour. Les dignes fils dans tous les pays du monde ont su protéger
la terre de leurs ancêtres, ils ont tout protégé, l'héritage de leur père. Donc, Alassane Ouattara, c'est un digne fils. Il est de Congo. Ses ancêtres viennent de Congo. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de ses parents. C'est pour ça qu'il développe la Côte d'Ivoire. Sinon, la plupart des étrangers qui sont là, tous leurs biens, des milliards, les Maliens, les Togolais, les Libanais, qui sont, tout l'argent les amène ça dans leur pays. Ils prennent tout l'argent, les amènent ça dans leur pays. Ils vont développer leur pays. Ils vont chez eux. Des milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire, ça ne reste même pas en Côte d'Ivoire, ça ne reste pas chez nous. Les milliards qui sortent officiellement, des centaines de milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui vont dans d'autres pays. Le président Ouattara, lui, se bat. Il s'en va chercher de l'argent chez les blancs. Il vient construire la Côte d'Ivoire. Il fait les ponts, il fait les rues. Et puis on dit, c'est un étranger, vos maudits. Il faut être maudit, inconscient et irresponsable pour dire que c'est un étranger. Et c'est devenu le discours de certains individus. Ce sont les enfants d'étrangers là, ceux qui font coup d'État. Ce sont les enfants d'étrangers là qui sont au pouvoir. Et puis, on n'a jamais connu la stabilité, on n'a jamais connu la paix. Tous ceux qui ont dirigé ce pays, après Oufouet Boigny, les deux qui sont venus à un certain moment là, leur vrai sang là même, ce n'est pas Côte d'Ivoire. C'est pas vous dire ça. Comment toi, tu es un digne fils. Tes parents te confient quelque chose. Et puis toi, le digne fils, tu n'arrives même pas à protéger ça. Mais le digne fils là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui là, en béton, on l'appelle un Oudi. On l'appelle un Carignon. Alassane Ouattara, on appelle ça un Carignon. Il ne recule pas. Pour ce qui appartient à ses ancêtres, à ses parents, il ne recule pas. Lui, c'est un Carignon. On appelle ça Oudi. Chez nous, les bétons, on appelle ça Greco. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Il protège le pays. Il fait la fierté de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, il fait qu'aujourd'hui, Houphouët même dans sa tombe, il est aujourd'hui heureux. Le seul président qui arrive à mater les rébellions. Toutes les tentatives de déstabilisation. Mais ce président-là, c'est un digne président, c'est un digne fils. C'est un digne fils. Ceux qui ne sont pas des dignes fils, c'est sur eux, leur régime, il y a des coups d'État, il y a des rébellions qui narguent les peuples, qui jouent les peuples. Le président Ouattara, c'est un digne fils. Donc, on continue. Donc, dites aux partisans d'Assimi Goïta, dites aux partisans de Soroke et autres que le digne fils, là, c'est Alassane Ouattara. C'est moi, Zasso, qui le dis. Parce que notre sang, c'est un sang ivoirien. Son père, sa mère, là, de Djéné, et ton père de Congo. Comme moi, Zasso, ma mère, là, elle est de Kakredou. Mon père est de Tchédjélé. Donc, nous, là, est-ce que vous pensez que nous, on va laisser la Côte d'Ivoire comme ça? Non. On ne peut pas laisser notre pays comme ça. Les autres, là, c'est leur sang, là. Ce n'est pas trop propre. Non, depuis quand ils étaient en Côte d'Ivoire, c'est le coup d'État. C'est les rébellions. Ils signent des accords avec Soro. Ils s'écrivent devant Soro. Un vrai digne fils ne négocie pas avec les rebelles. Un digne fils ne négocie pas avec les rebelles, avec ceux qui veulent déstabiliser des régimes politiques. Donc, pour ceux qui continuent de narguer les Ivoiriens, Alassane Ouattara étranger, Alassane Ouattara ceci, Alassane Ouattara cela. Non, mais Alassane Ouattara développe la Côte d'Ivoire, il a l'amour de son pays. Il a l'amour de son pays. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de ses ancêtres. Il fait la fierté. Il a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Aujourd'hui, là, partout, tu vois, ce sont des routes, partout. Ça, c'est un digne fils. Regardez Assimi Goïta. Voilà des plaisantins qui sont au pouvoir au Mali, qui veulent se comparer au président Ouattara. Regardez Mali. Depuis 2 ans, Assimi Goïta, là, il nargue le peuple malien. On dit, organise les élections. Vous donnez le pouvoir aux civils, Assimi Goïta ne veut pas. Voilà Doumbia. Quand Doumbia se déplace comme ça, c'est toute une armée qui est derrière lui. Zida, aujourd'hui, là, c'est des présidents qui ont peur. Ils ont fait coup d'État, mais ils ont peur. Ils peuvent même pas, vous ne pouvez même pas les voir dans le peuple. Ils ne sont pas dans le peuple, ils ont peur. Parce qu'ils se disent que d'un moment à l'autre, on peut les renverser. D'un moment à l'autre, on peut les renverser. J'ai jamais vu Assimi Goïta prendre bain de foule avec le peuple malien. J'ai jamais vu Assimi Goïta aller au stade. J'ai jamais vu Assimi Goïta se promener, se dire. Même, il est dans Bamako, là, seulement. Il est seulement que dans Bamako, Bamako Kati, son camp. Et il crée des faux coups là-bas, il est là-bas. Il s'en fera de ses frères djihadistes, il tient deal, l'ami vient d'attaquer. Dans la journée, Assimi Goïta va faire communiquer, et puis j'ai tué ça. Et puis j'ai arrêté terroriste. Quand nous, on a commencé à dénoncer, est-ce qu'aujourd'hui, là, ils publient maintenant les terroristes? Ils me suivent beaucoup. Je suis celui que eux-mêmes, ils suivent aujourd'hui beaucoup.
allez-y sur la page de leur cyberactivité, ils mettent ma photo, ils mettent photo des pays Côte d'Ivoire. Parce que nous, on les allume et on les enseigne correctement. Nous là, on est des hommes civilisés. Non, on leur dit la vérité. Ils prennent mes photos, ils font des montages, ils prennent le président Ouattara, ils prennent Téné Ibrahim. Mais moi, je suis content, vous faites ma pub. Ça dit aujourd'hui, beaucoup de Maliens, des hommes politiques maliens savent qu'il y a un Ivoirien qui est là, qui connaît la crise ivoirienne. Tu connais Guillaume Soro. En fait, depuis moi, il fait vidéo là. Vous me voyez insulter les mamans. Non, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je viens pour expliquer les choses. Parce que je suis témoin. Nous, les témoins des crises là, nous devions faire de sorte que dans ce combat, le peuple, nos générations, nos petits frères, comprennent l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens me combattent? Pourquoi les gens cherchent à me déstabiliser? Parce qu'ils savent que je connais l'histoire. Ils savent que je suis témoin. Donc, moi, j'essaie de faire comprendre à mes petits frères aujourd'hui qui sont là, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà, c'est demain, l'accord n'est pas là. Il faut que nos petits frères racontent l'histoire à leurs enfants, aux générations qui arrivent. Non, on ne peut pas rester là à mentir sur moi. Moi, je ne suis pas venu là pour mentir. Je suis là pour dire la vérité aux gens. Allez-y dans tous les groupes, hein. Ils appellent les gens, ils ont dit bloquer Zasso. Faites ça, Zasso. Zasso, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas dans buzz, je ne suis pas. Non. Je suis libre et je me suis toujours battu pour avoir mon autonomie, pour avoir mon indépendance morale, psychologique, financière et autres. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Chers amis, donc voilà un peu le problème. Aujourd'hui, vous arrivez au Mali, on dit Assimi Goïta organise les élections. Il ne veut pas organiser les élections. Assimi Goïta ne veut pas organiser les élections. Il a réussi, il s'en prend des armes à crédit, des vieux armes stockées. Stocké dans les trucs de choses, hein, comme on appelle de la Russie. Donc, quand il y a eu la première guerre mondiale, deuxième guerre, les vieux avions, là, ils s'en vont ramasser et ils se promènent à Bamako, là, à l'aéroport de Bamako, ils font des photos et les Maliens disent, ah oui, on est devenu puissance militaire. L'armée monte en puissance. Notre armée peut faire la guerre. Votre armée peut faire la guerre et puis vous n'arrivez pas à libérer les 60% du territoire. Si votre armée peut faire la guerre, là, libérez d'abord votre 60% du territoire. Libérez d'abord les 60% du territoire malien, là. Libérez ça d'abord. Envoyez-leur ma vidéo. Dites-leur que Zasso dit, libérez d'abord Assimi Goïta, ça fait 200 qu'il est. 200 qu'il est au pouvoir. Il pense que s'il arrêtait nos soldats, il allait nous faire du chantage. Le président Ouattara ne va jamais demander pardon à Assimi Goïta. Tôt ou tard, Assimi Goïta va libérer nos prisonniers. Regardez, hier, le président Ouattara a pris une décision. Les soldats, là, maintenant, leur famille, là, vont toucher 500 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il y a leur salaire, et puis on donne 500 000 francs par mois. Là-bas, là, ils mangent bien. L'ambassadeur allait les voir. On a dit à Assimi Goïta, les soldats que tu as là, faut pas qu'ils vont tomber malades. Faut pas qu'ils vont avoir coco, tchokwadjo. Faut pas qu'ils vont avoir, comme on appelle les tchokwadjo, les coco. Faites de sorte qu'ils se sentent toujours bien. Aujourd'hui, c'est lui qui a la pression. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire a la pression. Non. Depuis le début, j'ai été clair dans mes vidéos. Je dis, on ne va pas négocier avec Assimi Goïta. On n'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui négociait. Nous, on ne négocie pas. Nous sommes un pouvoir sérieux, un pays sérieux. Nous connaissons la valeur de notre pays. Économiquement, nous sommes... Attends, c'est nous qui faisons le Mali. Le Mali, là, si nous, la Côte d'Ivoire, on se retire du Mali, le Mali n'est rien. Le Mali n'est rien. C'est pas avec Assimi Goïta que nous, on va s'asseoir. Il y a des gens qui ont fait vidéo, non, ça ne veut pas la paix. Moi, j'ai dit... Mon président Ouattara ne va pas discuter avec Assimi Goïta. Je vous ai dit, il ne va pas le faire. On vous donne l'eau. On vous donne à manger. Nos porcs là, on vous a confié ça. Vos parents, les sont là-bas. On leur a donné le porc. Ils ont tous les secteurs stratégiques de notre port en Côte d'Ivoire. Des choses même qu'on va corriger bientôt. Moi, je vous ai dit, après toutes ces crises-là, c'est des choses qu'on va corriger. Je serai à la tête de cette révolution industrielle. Nous allons nationaliser tout. Tout va revenir. Nous-mêmes, on va gérer. On va aller voir le gouvernement pour dire, donnez-nous l'argent, on va investir en Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller faire des prêts aux étrangers là, aller donner de l'argent aux gens de la sous-région et puis les Ivoiriens n'ont rien. Nous là, on va aller dire au président Ouattara, comme monsieur le président, nous aussi on veut des fonds, on va gérer, on va commencer à faire les poissons, tout ça là, nous-mêmes on va gérer. Mais c'est l'argent. Et ils sont dans des pays où il y a du djihadisme, ils prennent crédit avec des djihadistes. Ils prennent de l'argent, des leaders de terrorisme, ils viennent investir en Côte d'Ivoire, ils prennent le tout et les gens disent, hein, ils ont l'argent. Ils ont quel argent?
Derrière tous ces investissements-là, il y a des terroristes, il y a des djihadistes qui sont aussi là. Les hommes d'Assimi Goïta la rentrent en Côte d'Ivoire. Quand ils sont allés à Bamako là, et au Togo, dans la délégation, notre délégation a dit au président togolais que Assimi Goïta, ces gens-là, ils viennent en Côte d'Ivoire. Leur passeport, on a montré ça. Chaque nuit, les gens d'Assimi Goïta rentrent en Côte d'Ivoire. Ils viennent investir. Ils prennent l'argent du Mali et ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous créez l'instabilité dans votre pays. Et puis vous venez dans notre pays. Et quand vous venez, on vous donne les marchés publics. On vous donne tout. Parce que c'est à certains de nos frères qui sont dans le gouvernement. Et ils ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas que le combat du président Ouattara, c'est de faire de sorte que l'économie revienne aux Ivoiriens. Au lieu de chercher à aider leurs frères Ivoiriens, au lieu de chercher à donner des fonds à leurs frères Ivoiriens, des crédits à leurs frères Ivoiriens, eux, ils préfèrent aller donner ça aux Maliens, aux Guinéens, aux autres. Et c'est eux qui viennent, ils prennent tout. Et nous, on est là, on parle seulement. Nous, on est là, on parle seulement. Mais le moment va venir, là, on va les combattre. Moi, je vous dis ça chaque jour. Hein. Parce qu'ils ne sont plus dans la vision du président Alassane Ouattara. Ils sont dans leurs affaires. Ils sont dans leurs affaires. Ils ont tout pris. Tout. Alors que rendez vos frères, vos cousins, vos amis, les Ivoiriens, là, c'est tout le monde. Donc, chers amis, voilà le point important. Voilà le point très important. Nous donnons du carburant, gasoil, tout, c'est nous qui donnons au Mali. C'est nous qui donnons au Mali. Donc, nous, on ne peut pas s'abaisser devant le Mali. Si on s'abaisse devant le Mali, c'est qu'on n'est plus un pays, on n'est plus une puissance. Assimi Goïta a fait des bruits. Ah, nous sommes une puissance. Nous sommes une puissance. On a des armes. Mais quand j'ai commencé à démonter les armes, ils se sont calmés. C'est-à-dire les vieux armes qu'ils ont payées, ces armes qu'on n'utilise plus. Ça, là, même là, les avions, là, moi, je vais payer pour moi pour garder ça à Gagnois. Je vais aller, ça coûte combien? C'est moins de 200 millions. Je vais aller à chose. Je vais prendre crédit ici. Je vais voir le président Ouattara. Je vais voir le ministre de l'économie, du budget. On va me donner crédit. Je vais aller payer ça à chose là-bas, en Russie. Je vais payer deux. Je vais prendre ça pour faire voyage à Abidjan. Je vais faire quelque chose de transport. Celui qui veut monter dedans, je fixe le prix. Je me promène avec les Ivoiriens dans les avions, les Albanos, là, les Albanos 49. Là. Je paye. Et puis je vais déposer à Abidjan, je me promène dans ça. Avion qui coûte moins de 200 millions, c'est à cause de ça vous allez faire bouche sur nous. Prix, on négocie. Et puis vous prenez même à crédit. Vous prenez avion à crédit pour nous faire du chantage. Ils disent que le 27, ils vont faire leur fête d'indépendance. Moi, Zanzo, ce que j'ai dit à Sekou Toukara, là, ils n'ont qu'à dire à Assimi Goïta, ils n'ont qu'à libérer les 60% du territoire malien. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est le seul défi que je vous lance. Rentrez là-bas et puis chasser les djihadistes. Ils n'ont même pas honte, ils ont repris la rotation. Ils ont encore appelé l'ONU. Nos soldats sont encore là-bas, on est allé là-bas. On a amené plus de 500 soldats là-bas. Parce que c'est divisé en deux, Assimi Goïta, Bamako, puis Akati. Maintenant, de l'autre côté, c'est occupé par les djihadistes. Et c'est ceux-là qui disent, nous, la Côte d'Ivoire, on va s'abaisser devant eux. Ouattara doit demander pardon. Attends, c'est quelle impolitesse? C'est quelle impolitesse? Le président Ouattara va demander pardon. Un président qui arrive à mater tous ceux qui veulent faire des coups d'État, les rébellions, son pays est unifié. Il a la tête d'un pays unifié. Il a gagné les élections. Il y a eu le premier mandat. Le premier mandat de la Troisième République, que les gens appellent abusement Troisième mandat. Moi, je vois des gens sur les réseaux sociaux. Ouattara fait Troisième mandat. Ouattara fait Troisième mandat. J'ai dit, mais ceux-là, ils ont quel problème? Souvent, j'ai dit, mais ceux-là, ils ont été à l'école même. Ils ont quel problème? 2023, 2025 est proche. Au lieu de chercher à faire le coup d'État, à soulever, à arrêter nos soldats pour soulever nos policiers, nos gendarmes contre le pouvoir, préparez-vous pour les élections de 2025. Allez-y vers le peuple, chercher à convaincre les Ivoiriens. Allez-y convaincre les Ivoiriens, parlez aux Ivoiriens. Le président Ouattara fait des ponts. Vous, maintenant, vous dites, bon, comme le président Ouattara a fait ça en 2025, Zasso, nous, on va faire pont à Abidjan-Gagnoua. En 2025, à Gagnon, là, CIB, là, les entreprises, les quoi, Gagnon, on va. Moi, je vais vous écouter. Moi, je sais déjà, tu vas me faire de bonnes propositions. Le peuple veut des offres. Il faut faire de bonnes propositions au peuple. Au lieu de se cacher derrière Assimi Goïta. Et puis, je vais dire aux gens, vous qui rêvez des coups d'État, vous qui rêvez d'un soulèvement populaire, ou qui rêvez à l'assassinat du président Ouattara, vous qui cherchez à mélanger la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se mélange, j'ai dit à certains de mes frères,
Nombreux, nos frères du Nord sont sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui à Soro parce qu'ils disent qu'ils sont, ils sont frères à Soro. Moi, Zanso, je vous dis la vérité. Je touche du bois. Je touche du bois devant Dieu. S'il y a une rébellion qui quitte le Nord, qui quitte par Mali, qui rentre en Côte d'Ivoire, ça va commencer d'abord dans le Nord. C'est dans le Nord que ça va commencer. Ceux qui vont rentrer là, ils sont quittés en Libye, ils ont des expériences de guerre. Ce seraient des djihadistes, nos parents là, ils vont venir tuer. C'est nos parents du Nord là, ils vont venir tuer. En 2002 là, nous on était là, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et là, on leur a donné l'argent, on a dit voilà votre mission. Quand vous partez là, les assos là, tuez-les. C'est-à-dire, dès que vous arrivez net, allez-y chez Chasso directement, allez-y assassiner Zasso. Allez-y chez Tene Ibrahim, assassiner Tene Ibrahim. Allez-y chez Fouchos, comme on appelle Grouman. Allez-y chez Chou, le général Apalo. Ils vont commencer à citer les noms. Ils ont déjà leur liste. Ils ont déjà leur liste. Hein. Il y a des gens même dans une bosse qui me menacent. Zasso, si le président va attraper le pouvoir, Zasso, il faut chercher un autre pays. Moi, Zasso. Moi, Zasso. Moi, Zasso. Vous pouvez menacer tout le monde. Moi, je vous ai toujours dit que moi, là, on ne me menace pas. Moi, mon ami garçon, ne peut pas me menacer. Pourquoi? Tu es qui? Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Tu as quoi plus que moi, puis tu as menacé. Il y a des gens qui viennent, si moi, tu attends là, toi, Zasso. Babo est au pouvoir, et puis moi, je crachais. Babo est au pouvoir, et moi, je crachais dans le pays-là. Je n'ai pas eu peur du pouvoir de Babo. J'ai fait l'opposition sous Babo. Babo est au pouvoir, il est bêté. Mais moi, j'ai fait l'opposition. Moi, j'étais dans l'opposition. Nous, on était dans l'opposition. On était au RDR. Et puis, Babo était au pouvoir. Moi, je n'ai pas peur de retourner dans l'opposition. Moi, Zasso, là, je suis un homme, je suis toujours convaincu qu'on est toujours appelé à retourner dans l'opposition. Donc, moi, Zasso, je n'ai pas de pression. Si demain, notre politique n'a pas marché, si demain, le peuple a compris qu'en 2025, on n'est plus. Mais moi, je reste dans l'opposition et puis je vous combats. Et vous allez voir, je suis toujours civilisé. Je vais vous combattre en tant qu'un citoyen civilisé. Je ne vais jamais faire appeler au coup d'État, au soulèvement. Je ne vais pas me comporter comme vos pulcheries balais qui ne sont pas, voilà, une femme. Mais les pro-Soro là, ils sont où? Envoie ma vidéo aux pro-Soro qui sont sur les réseaux sociaux. Dites-leur que Zasso dit, pulcheries balais a été arrêtée. Vous êtes où? Pulcheries balais là, elle a été arrêtée. Vous êtes où? Pulcheries Balé a été arrêté. Où sont maintenant les pro-Soro? Ils ont tous disparu. J'ai dit ça toujours aux gens. Les gens vous poussent à parler. Les gens vous poussent à insulter. Les gens vous poussent à menacer. Mais le jour où vous êtes dans des problèmes, ils ne sont plus là. Chaque jour, j'ai dit ça toujours. J'ai dit, moi je connais les gens, ils ne sont pas solidaires. Ce ne sont pas des gens combatifs. Ce ne sont pas des gens qui peuvent mener des combats pour vous. Le jour où vous avez problème, ils disparaissent. Moi, je connais Ivoirien. Je connais les militants des partis politiques là. La plupart, c'est des lâches. Les pro-Soro là sont des vieux, sont des lâches. C'est-à-dire, ils sont plus lâches que tout. Ils ont défié ici. Nous, on a pris Soro ici. Soro a fui les partis. Soro va rentrer. Soro va faire ceci. Ils sont où aujourd'hui? On les a arrêtés un à un. On les a arrêtés un à un. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais saluer le procureur de la République. J'ai fait des vidéos pour dire à Pulcheries Balé. J'ai dit à Pulcheries Balé. Ce que tu es en train de faire là, le jour on va t'arrêter. Parce que ton comportement, c'est un comportement de femme voyou. C'est toi qui vas aller dire à la Côte d'Ivoire. Regardez ici. Et le procureur l'a dit, regardez ici. Voilà ce qu'elle disait dans ses vidéos. Les gars, partagez la vidéo. Continuez de faire vos commentaires. Je suis vos commentaires. Pulcheries Balé dit. Oh, mon réseau aujourd'hui là n'est pas bon. Hein. Voilà le procureur, un procureur patriote. Lui là, c'est un procureur patriote. Lui, c'est un patriote. Il s'appelle Adou Richard. Lui là, c'est un patriote. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est à cause de ça.
Il réfléchit beaucoup. C'est lui qu'on appelle patriote. Là. Il aime son pays. Quand ça ne va pas, il met de l'ordre. Et que Dieu lui donne l'envie. Dieu lui donne l'envie et que moi-même, je l'encourage. Monsieur le procureur, continuez de faire votre travail. Vous avez été à l'école pour servir votre pays. Vous avez eu des diplômes pour servir la Côte d'Ivoire. Continuez de servir votre pays. Il y a des gens qui font des vidéos. Non, oui, monsieur le procureur Adou n'a qu'à comprendre que si demain Ouattara n'est pas là, mais procureur Adou là, il a commencé au temps de Bédier. Il était au temps de Gbagbo, il était adjoint procureur. Au temps de Gbagbo, il était adjoint procureur. Au temps de Gbagbo, Adou Richard était procureur. Au temps de Bédier, il était procureur. Aujourd'hui, il est procureur. Il est au service de la nation. Il allait à l'école pour servir son pays, le pays de ses ancêtres, le pays de ses parents. Non, vous le menacez là, vous allez dire, mais si Ouattara n'est pas là, mais si le président Ouattara n'est pas là, là, nous on aura le pouvoir. 2025 là, pouvoir là, nous on va prendre. On va garder le pouvoir. Moi je suis dans un combat de conservation du pouvoir par le RHDP. Moi c'est mon combat. C'est pour ça que depuis j'interpelle toujours les militants, les cadres, je fais des vidéos, puis j'essaie de leur dire. Parce que moi, je regarde 2025, hein. On n'a pas droit à l'erreur. Moi, je prépare déjà 2025. C'est vrai que je suis incompris. C'est vrai que souvent, on ne me comprend pas bien. Souvent, les gens pensent que je dois dire ce qu'ils ont envie d'attendre. Moi, je ne suis pas obligé de dire ce que tu as envie d'attendre. Parce que si je fais ça, je te rends abruti. Je te mets dans un système où tu ne vas jamais t'en sortir. Je préfère te dire la vérité. S'il y a des dysfonctionnements dans notre système, moi, Zasso, je dirais qu'il a des dysfonctionnements. C'est ça, un patriote, un digne fils. C'est ça le vrai problème. S'il y a des choses qui ne marchent pas, je ferai des vidéos. C'est ça le vrai problème. S'il y a des choses qui ne marchent pas, je ferai des vidéos pour dénoncer ces choses. Parce que pour moi, il faut se réveiller. Il faut ouvrir les yeux. Parce que moi, je suis sur terrain. Ah oui, moi, on ne m'a pas nommé. Ceux qu'on a nommés là, ils ont maintenant occupé. Donc c'est nous, on est sur terrain, c'est nous, on regarde. Donc nous, on est toujours obligés de leur dire, ah, on vous a maintenant nommé. Vous êtes en haut, mais en bas là, il y a des problèmes. En bas là, ça là n'est pas bon, ça là n'est pas bon, ça là n'est pas bon. Parce que quand on est en haut, on ne voit plus clair. Quand on est en haut là, on ne voit plus. Et ça, ça a tué Gbagbo. Ça a tué Gbagbo. Au premier tour, Gbagbo a eu 38%. Pourquoi? Pourquoi il a eu 38%? Alors que ces gens étaient riches, ils étaient puissants, ils avaient de l'argent. Mais ils ont commencé à mettre leur vie sur l'argent, payer les voitures, les femmes, l'argent. Ils faisaient du boucan, ils n'avaient aucun respect. Ils étaient inaccessibles, on ne pouvait pas les voir, ils ne pouvaient même pas parler à la jeunesse. Leurs téléphones sont fermés, leurs maisons, elles ont monté clôture. Moi, je suis allé au Ghana, clôture des maisons, là, c'est bas. Dans les quartiers résidentiels du Ghana, tu vois les clôtures des maisons, là, c'est bas. Parce que là-bas, il y a la sécurité. Chez nous ici, les monteurs clôture, même, ça dit maison, la clôture en haut là-bas. Aujourd'hui, la maison, ça continue. Si nous, on reste, j'ai dit, sur notre régime, même RHDP, même, c'est grave. Clôture des maisons, là, sont en haut là-bas. Tu es là-bas, même là. Pour ne plus que nous, on aille leur dire bonjour. Ils ne veulent plus qu'on leur dise bonjour. Alors qu'on avait critiqué ça hier. Aujourd'hui, ils ont oublié. Donc, moi, je suis là pour toujours rappeler aux gens. Je suis là pour dire, diminuer les clôtures de vos maisons. On va aussi voir dedans. Ah oui, mais il faut qu'on voit dans vos maisons. Au Ghana, là, tu es là et puis tu vois dans la maison du ministre, maison des députés, maison de temps. Ceux qui ont les clôtures, ce sont les hommes d'affaires. Chez nous, les hommes politiques, les hommes maison, mon clôture est arrivée jusqu'à là-bas. Clôture est arrivée jusqu'à là-bas, c'est pas normal. Donc, dites au pro-Soro que Pulseru Balé est en prison. Vous êtes où? Il ne s'agit pas de faire des vidéos. Venez faire des manifestations. Venez maintenant vous mobiliser pour ce qu'elle appelait à une ville morte. Elle menaçait. Elle appelait à une ville morte. Voilà ce qu'elle disait. Et le procureur a tout recensé. Dans une vidéo, le procureur Adou l'a dit hier, dans le communiqué du procureur. Dans une vidéo en date du 7 août 2022, diffusée sur les réseaux sociaux, le réseau social Facebook, elle déclarait « L'État de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt la voie de la violence verbale. »
celle qui disait ça. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'a pas choisi la bonne voie, mais la Côte d'Ivoire utilise la voie de la violence verbale, la Côte d'Ivoire menace, c'est votre Pilicheri Mbalé, elle ne sait pas que c'est d'un État qu'elle parle. Mais choisissez plutôt la voie de la violence verbale, autorisez en outre des manifestations qui visent à agresser les Maliens. Elle dit nous, on fait manifestation pour agresser les Maliens. Elle dit que nous, là, on fait nous, on dit, il n'aura pas conseil tant que nos soldats sont africains. Mais c'est une vérité. On ne peut pas nous enlever ça. On ne peut pas nous enlever. On dit, nous, moi, Zasso, là, je l'ai dit, tant que nos soldats sont là-bas, il n'y a pas conseil de qui que ce soit dans le pays. Là. Ah oui? Mais c'est une vérité. On l'a dit, on l'a matérialisé. Et s'ils ne sont pas libérés, les semaines qui arrivent, on va maintenant passer à une autre phase. Ah oui, on va passer à une autre phase. L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort. Voilà. Elle dit, je lis, hein, c'est le propos de Pichéry Mbalé. L'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence. L'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence. C'est de l'État de Côte d'Ivoire que Pichéry Mbalé parlait. L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort. Tu vois? C'est-à-dire, elle laisse son pays pour soutenir le Mali. Mais les gens avec qui elle allait voir au Mali, là, c'est, la plupart sont dans des réseaux djihadistes. Les gens qu'elle allait voir, là, la plupart sont dans des réseaux djihadistes. Certains sont des pro Assimi Goïta. Ce sont des hommes politiques. Et toi, tu te lèves, tu t'en vas dénigrer la Côte d'Ivoire. Tu fais même direct pour montrer aux yeux du monde entier que le gouvernement de Côte d'Ivoire ment. Le président Ouattara ment, notre armée ment. C'est-à-dire nos forces de défense et de sécurité qui ont fait des communiqués. Eux, ils mentent. Tu es dans un pays où il y a la sécurité. Eux, là, ils font la sécurité du pays. Toi, tu t'assois sur Facebook, tu dis non, ce sont des menteurs. Alors qu'ils ont fait des communiqués, ils ont tout expliqué. Mais toi, tu chéris Mbalé, tu dis ils mentent. Mais quel que soit ton titre, on va t'arrêter. Et puis elle dit oui, toujours dans le même cadre du civisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Donc je salue son interpellation. Oui, je salue son interpellation parce que ce sont les vrais, c'est ça les vrais fondements de la démocratie dans un pays. Ça va amener les gens à savoir maintenant, à commencer à comprendre que la liberté d'expression, la liberté d'opinion a aussi des limites. Ce n'est pas parce que tu es libre de dire, tu es libre de parler, que tu peux dire du n'importe quoi. Et là, c'est deux États qui sont en conflit. Quand deux États sont en conflit, vous devez revoir votre langage. Parce qu'on sait que vous, vous êtes patriote quand ça vous arrange. En Côte d'Ivoire, le patriotisme dépend de celui qui est au pouvoir. Dans mon pays, le patriotisme dépend de celui qu'on aime et qui est au pouvoir. C'est comme ça que dans mon pays. Moi, Zasso, quand mon pays a été agressé, quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, je l'ai condamné. Je n'étais pas pro-Bédier. J'ai agi comme un citoyen. Ah oui, moi quand j'étais à l'école, là, j'ai fait l'histoire jour. Je me suis beaucoup et puis je suis un scientifique. Donc, je sais faire la part des choses. J'ai condamné le coup d'État contre Bédier. Quand il y a eu la rébellion de Soro, nous nous sommes levés comme un seul homme pour soutenir le régime Gbagbo. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui était agressée. Nous avons combattu Guillaume Soro. Jusqu'à ce qu'on me chasse de leur système. Ils ne m'aimaient pas parce que je n'étais plus d'accord. J'ai vu que nous, on se bat, et puis eux, là, ils font leur dit. Pendant que nous, on se bat, Soro devient premier ministre. Soro devient ministre de la Défense. Soro a un budget de 60 milliards. Il gère le Nord. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Je leur ai dit, mais vous n'êtes pas sérieux, vous, les gens du FPI. Vous foutez de qui? Ça veut dire que nous, là, on prend notre temps à protéger, défendre notre pays, vous passez derrière nous, vous faites 10 SO. Vous donnez les marchés publics au Burkina. Dans les accords de Ouagadougou, les Burkinabés ont eu des marchés. Ils ont eu même des quais au port. Des pro-Soro ont eu des quais au port. Ils étaient dans les affaires. Et puis nous, on est là, on parle.
Nous, on est là, on défend le pays. Et eux là, qui sont en conflit, font leur business. Quand j'ai regardé, mon âme ne allait pas à ça, j'ai dit, bon, écoutez, vous n'allez plus jamais me voir, moi, Zasso, parler de vous. Mais je vais vous allumer. Et j'ai commencé à les allumer. Je vous dis la vérité, moi là, quand ça ne m'arrange pas là, j'enlève mon pied dedans. Et puis je deviens adversaire vrai. Et quand je suis adversaire là, tu ne peux pas. Demandez-les, ils vont vous dire. Quand je suis ton adversaire là, tu ne pourras pas. On ne peut pas chaque jour s'investir en toute honnêteté. Et puis des gens jouent avec nous. Ils jouent avec le pays. Ils font leurs affaires. Ils se partagent l'argent. Ils s'enrichissent. Mais à la fin, là, nous, on sait comment ça se termine. Moi, Zasso, je sais comment ces gens de système-là se terminent. Voilà. Je sais comment ces gens de système se terminent. Pulcherie Mbale, où sont ceux qui soutenaient Pulcherie Mbale? Ils sont où? On dit ses avocats, j'ai entendu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux, non, ses avocats disent que il ne peut pas se mêler de cette mascarade judiciaire. Mais la justice, là, c'est un droit. Il n'y a pas d'avocat dans le monde qui va dire « Je ne vais pas m'associer à cette mascarade. » Un avocat, son droit, c'est de défendre son client. Un avocat sérieux, là, son droit, c'est de défendre son client. Quelle que soit la situation, il doit d'abord défendre le client. On a dit aux avocats de Pucherine, bah, « Venez défendre vos clients. » Il dit « Viens pas, que c'est une mascarade. » Ils sont toujours dans cette position d'avocats politiciens. Des avocats politiciens. Des avocats politiciens. On dit votre là, elle, vous étiez là, et puis elle parlait ici dans le pays, elle faisait bouche. Elle faisait bouche. Et puis les mardis depuis Pucherine Mbale, elle fait bouche, elle fait bouche. Mais la démocratie, c'est ça. La démocratie, là, c'est aussi la justice. La démocratie, c'est d'accepter les décisions de justice. La démocratie, c'est d'accepter que quand tu te comportes mal, tu seras interpellé. C'est pour ça que dans tous les pays civilisés, on a mis des institutions. On a mis la police, on a mis la gendarmerie, on a mis tout. On a mis la police, la gendarmerie, on a mis la justice. Mais c'est pour ça que ça est là, pour qu'on vous interpelle. Quand vous jouez au con là, qu'on vous interpelle, c'est pour ça que ça est là, il y a justice. Oh. Non, la justice de Ouattara est ceci, la justice de Ouattara est cela, la justice de Ouattara. Souvent, tes régimes Gbagbo, les tapés ont été arrêtés ici. Sous le régime de Gbagbo, on n'a pas fermé les justices, on n'a pas fermé les prisons. On n'a pas fermé. Il y avait un procureur qui s'appelait Kimou. Sous Gbagbo, il y avait un procureur, sur Bédier, il y avait un procureur. Il s'appelait Kimou. Tout ce que vous avez fait là, nous, on était d'accord avec ça. Soro, même là, au nord, là, il avait sa gendarmerie aussi, il avait sa police, il avait sa justice. Quand Soro était au nord, il prend les gens, les met dans des conteneurs, il les tue, il fait ce qu'il veut. Il traumatise nos parents, il humilie nos parents. Est-ce que nous, on s'est une fois plein? Est-ce qu'on s'est une fois plein? 10 ans de pouvoir, on ne peut pas arriver dans le nord. C'était une dictature qui ne disait pas son nom. Il a nargué Gbagbo jusqu'à, il n'a même pas désarmé. Madi Tano, ce n'est pas une affaire de temps. C'est notre temps, nous tous, en tant qu'Ivoiriens. C'est notre temps à nous tous en tant qu'Ivoiriens. Du moment que tu es Ivoirien, est-ce que toi tu ne payes pas les impôts en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas où tu vis. Mais quand tu vis en Côte d'Ivoire, déjà que tu payes les impôts, mais tu contribues à l'économie d'un pays. Donc ce n'est pas une affaire de temps. Le temps là, c'est pour nous tous. Ici, ce qu'on défend, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne défends pas un individu, je défends le pays. Les soldats qui ont été arrêtés là sont nos frères à nous tous. Et c'est eux qui se battent pour notre sécurité. Il faut être inconscient, immoral, irresponsable pour soutenir cela. Sans l'effort de défense et de sécurité, aujourd'hui au Mali, là, la stabilité que vous avez ici, là, les Maliens n'ont pas ça. La stabilité que vous avez ici, là, les Maliens n'ont pas ça. Mais c'est grâce à nos gendarmes, à nos policiers, à nos militaires. C'est grâce à ces policiers, gendarmes, militaires. On a vu les terroristes, ils ont voulu prendre Bassam ici. Mais quand ils sont arrivés à Bassam, ils ont commencé à tuer des gens. Quand ils sont allés à Kafolo, ils ont commencé à tuer des innocents. Mais quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité, comment vous, vous pouvez être à l'aise? Je pense qu'il y a un problème de morale. Les partis politiques n'éduquent pas leurs militants au patriotisme. Les partis politiques n'éduquent pas leurs militants au patriotisme. Il faut que vous soyez des patriotes. Il faut que vous aimez la Côte d'Ivoire. Aimer Ouattara ne doit pas être votre président. On ne vous demande pas d'aimer le président Ouattara. Sa femme l'aime. Ses partisans l'aiment.
Si toi tu l'aimes pas là, ça va enlever quoi au président Ouattara? Mais il est ton président, tu veux pas, tu travailles sur son régime. Tu es fonctionnaire sur son régime, tu n'as pas démissionné, mais tu fais tes affaires. Tu n'es pas allé vivre dans un autre pays, tu es en Côte d'Ivoire. Tu te promènes, tu es content, tu es fier du pays, tu vois les ponts, les routes, même si tu es hypocrite. Mais c'est normal que tu sois hypocrite, tu es jaloux. Mais bon, nous on sait qu'il y a trop de sorciers dans notre pays. Il y a trop de sorciers dans notre pays. Donc, chers amis, le dernier point, c'est, j'ai appris que Babo Laurent dit. Babo Laurent dit, on n'a qu'à libérer Pucherine Balé sans condition. Dites aux gens de PPACI que Zasso dit, Babo n'est plus au pouvoir. Et ces erreurs qu'il a faites là, nous on ne peut pas faire ça. Chaque jour, nous on fait des efforts pour corriger nos erreurs. C'est-à-dire, son pouvoir là, c'est passé. Il ne va plus revenir au pouvoir. C'est lui que Soro a manipulé, c'est lui Soro a distrait. Nous, là, on ne nous distrait pas. Pucherine Balé assumera son sale comportement. Elle va assumer. Elle sera jugée, elle sera jugée. Si ses avocats sont bons, elle, elle a raison, on la libère. Si elle n'a pas raison, mais elle sera jugée. Il n'aura pas à vos histoires de libérer sans condition, libérer. Vous n'avez pas de, c'est-à-dire vous n'avez pas de pouvoir pour distraire l'État de Côte d'Ivoire. Dites à Babo qu'elle ne sera pas libérée. Elle sera jugée. Parce que Babo comptait sur elle. Vous comptez sur elle pour lancer un soulèvement, pour faire des trucs, pourquoi? Elle ne peut pas, elle est trop petite. Elle ne peut pas. Parce que nous, là, on va toujours lui répondre. Moi, je lui ai dit, toi-même, tu vas te déstabiliser. Plus tu fonces, plus tu vas te casser la tête. Parce que tu soutiens des gens qui ont géré ce pays et qui ont détruit ce pays. Soutenez des gens de nouvelles personnes. Cherchez de nouveaux leaders. Des gens sains, des gens qui aiment la Côte d'Ivoire, des gens qui ont des projets, qui ont des visions. Mais si vous soutenez les mêmes personnes qui ont échoué, ça veut dire que vous-même, vous faites la promotion de l'échec. Ça veut dire que vous, vous savez signer un pacte avec l'échec. Vous avez décidé d'établir toujours échouer. C'est pour ça que vous êtes encore avec Babo Soro Bédié. Comment des gens qui ont gouverné le pays, encore, ils ont encore des partisans. Mais si ce n'est pas un problème spirituel, si c'est... Attends, mais ça là, c'est un gros problème. C'est-à-dire, des gens ont gouverné le pays. Ils n'ont pas pu protéger la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu défendre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas développé la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. 10 ans de populisme. Et ces gens-là encore ont des partisans. Vraiment, il faut être vraiment ivoirien pour accepter ça. Quoi? Ils ont des partisans. Les gens ont des partisans. Ah! Mais dans vos partis, il n'y a pas d'hommes intelligents dedans. Dans vos partis, il n'y a pas d'intellectuels. Personne ne peut prendre la tête de vos partis pour changer ce que Babo, là où vous réussissez à faire ce que Babo n'a pas fait. Ce que Babo n'a pas fait là, vous n'avez personne dans vos partis. Au PDCI, il n'y a personne. Il y a un ami qui est aux États-Unis, chaque jour, lui me bombarde. Il est le frère d'un ministre de la République. Lui, son grand frère, son petit frère est ministre de la République. Mais c'est dans mon inbox, il est toujours en train de m'insulter. Alors que lui, il reçoit l'argent du contribuable ivoirien. Son grand frère lui donne des marchés, son petit frère lui donne des marchés, il fait ses affaires. Mais chaque jour, c'est moi, il est insulté. Il est aux États-Unis. Un jour, je vais publier sa photo. Je vais publier sa photo pour lui dire, mais toi, c'est que ton grand frère et ton frère te donnent dans le gouvernement, là, moi, je ne reçois pas ça. Moi, je défends mon pouvoir. Toi, tu es contre le pouvoir. Mais toi, tu es contre le pouvoir, là, tu gagnes plus dans le pouvoir. C'est-à-dire, toi, tu n'aimes pas Ouattara, là. Comme toi, tes parents sont dans le gouvernement, dans le système, toi, tu gagnes. Mais chaque jour, toi, tu m'insultes. Je vais dire son nom, je vais publier ça. Un matin, vous allez voir. Chaque jour, et il soutient Assimi Goïta, il envoie les trucs d'Assimi Goïta, alors que son frère est ministre dans le gouvernement. Chaque jour, ça dit, aux États-Unis, sa vie a changé aujourd'hui. Il est dans ses affaires. En tout cas, tout va bien. Mais c'est moi, il insulte chaque jour. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, on continuera toujours de défendre notre pays parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce que Dieu nous a donné.
Dites à Laurent Gbagbo que ça dit. Dites à Konaté Kone Katina et autres que ça dit. Puis Chérine Gbalé va répondre de ses actes. Nous sommes dans une république. Il faut que soyez un peu civilisés aussi. Soyez un peu responsables. Et soyez responsables. La justice, là, elle n'appartient pas au président Ouattara. Non. Les juges, là, n'appartiennent pas au président Ouattara. C'est comme le médecin. Les médecins, là, sont payés par l'État de Côte d'Ivoire, qui travaillent dans les hôpitaux. Mais vous partez, vous soyez là-bas, non. Les enseignants, les quoi, là, vous partez à l'école, non. Mais c'est de la même manière que les juges aussi sont des fonctionnaires. Vous ne les aimez pas, mais vous aimez les policiers. Vous aimez les choses, les enseignants. Vos enfants vont à l'école. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Voilà, voilà quelqu'un encore qu'on a stocké. Lui, son problème, c'est manger seulement. On parle de son pays, lui, c'est pour bouffer. C'est-à-dire que eux, dans leur, c'est-à-dire, eux, vraiment, je vois bien, quand je lis les commentaires, même j'ai ri. Il y a des moments même, je réveille la nuit et puis je lis des commentaires, je ris. Et je vais sur la page des trucs, des débats que nous avons en Europe ici. Quand tu vois, tu fais les débats avec les blancs, tu es intelligent. Ça dit chaque jour, tu apprends. Ça dit, tu les vois défendre leur pays, mener des débats. Tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais fait des débats avec des blancs sur des réseaux sociaux. Puis ils vont dire, ah, tu as faim, tu ne manges pas, tu es ceci, tu es cela. C'est chez nous. Tu ne peux jamais faire débat un blanc et puis va dire non, c'est pour manger. Parce que tu as faim, tu as ceci, regardez-moi ça. Je parle de mon pays, tu dis c'est parce que j'ai faim. Mais je parle de mon pays, c'est de mon pays que je parle. Ablo Gendo, comment tu vas? Je parle de la Côte d'Ivoire, mon pays à moi, la terre de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Et dit non, c'est parce que tu as faim. Parce que tu veux manger, mais c'est être idiot. Je te dis, les militaires, les policiers, la sécurité du pays, toi-même qui te protèges. Dans ce pays-là, quand il y a eu la rébellion de 2002, là, ça n'a pas trié quelqu'un. La rébellion de 2002 n'a pas trié quelqu'un. Vous avez André, vous n'avez pas été à l'école. On dirait des gens qui n'ont pas été à l'école. On vous dit de venir sur des pages Facebook pour faire des débats. Voir ce qu'il y a dans votre tête, vous allez aller faire sur de 200 francs, aller prendre connexion 1000 francs, là venir ici, au lieu de venir argumenter, tu as faim. Moi, depuis que je suis né, mes parents m'ont toujours donné à manger. Je vous dis ça hier, je vous ai expliqué. Hein. Chez nous, là, la faim n'existe pas. Parce que nos grands-parents nous ont pris à se battre. Nous sommes dans une famille, moi, mon grand-père, là, il avait des hectares. Donc, je sais comment j'ai grandi. Je ne peux jamais avoir faim. Moi, mais souvent, même manger là, je verse. En fait, il faut comme si la politique, c'est hier, on est dedans. Nous, on est dedans il y a longtemps. Nous, on est dedans il y a longtemps. Et puis, tu ne peux pas vivre en Europe et puis tu as dit tu as faim. Ça n'existe pas. C'est dans nos États africains qu'il y a encore des problèmes. La pauvreté est morale. Parce que la pauvreté fait que certains même n'ont plus de conscience. Ils sont tellement limités, ils sont tellement dans la haine. Ils croient souvent que nous sommes à la base de leurs problèmes. Non! Tu es Ivoirien, je suis Ivoirien, on protège notre pays, on ne se connaît pas. Tu es Ivoirien, je suis Ivoirien. Ici, là, ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des individus qui vont nous unir, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. C'est de notre pays qu'il s'agit. Donc tu viens, tu argumentes. Moi, je vous ai dit que Gbagbo, là, il ne va plus rien vous apporter. Vous avez parlé. Il est venu de où? Il est où? Je vous ai dit, en 2027, il ne sera pas candidat. Il y a beaucoup de... Gbagbo sera candidat. J'ai dit que Gbagbo ne sera pas candidat. Notez, moi, je vous dis ça. Pays, là, on est en train de boucler 2027. 2025, là, on est en train de boucler ça. Cette génération-là va partir. Et puis on va mettre de nouvelles personnes qui vont diriger ce pays pour mettre fin aux esprits des coups d'État, aux esprits des rébellions, aux esprits des agressions et mettre en place une vraie justice. La justice qu'on est en train de mettre en place, ça veut dire que demain, là, l'armée, les quoi, ça veut dire si demain, nous,
on n'est même plus au pouvoir dans l'opposition. Il faut que moi, on n'aille pas dans mon village pour aller tuer mes parents, humilier mes parents. C'est ce combat que moi je mène. C'est-à-dire faire asseoir les bases d'une société vraie. Une société où vraiment les violations des droits de l'homme et autres, tous ces genres de trucs. Voilà. Donc on est dans un pays, c'est-à-dire, moi, j'en sors demain, je ne suis pas là. On dit, ah, maintenant, quand ces choses sont revenues au pouvoir, ils vont aller dans mon village là, aller torturer mes parents, alors que mes parents ne savent même pas. Ils vont aller agresser, ils vont insulter tes enfants, ils vont humilier ta famille, parce que c'est des broussards. C'est cette politique-là que nous, on ne veut pas que ça se répète. C'est pour ça que nous prenons toute notre énergie pour vous conscientiser. D'accord. Oui, Adama Diallo, comment tu vas, mon frère? Je suis là, je vais bien. Je vais bien. En tout cas, je me porte très bien. Nos soldats seront libérés de gré ou de force. Mais avec le temps. Nous, on n'est pas pressés. Donc, dites à Gbagbo qu'elle ne sera pas libérée. Maintenant, je vais saluer encore le procureur. Je salue le procureur. Hein, je vais m'arrêter là. Voilà. Je salue le procureur. Il y a un point que j'ai oublié. Je vais rapidement revenir à ce point. Saluer nos forces de défense et de sécurité. Je voulais saluer tous ces généraux. Je voulais saluer Apollo. Je voulais saluer le chef d'état-major. Saluer le ministre de la Défense. Saluer nos soldats, nos vaillants soldats. Saluer nos militaires, policiers, gendarmes. Les gens ont voulu garder nos soldats, ils ont pris nos soldats en otage parce qu'ils voulaient soulever l'armée. Mais ils ne savent pas. Moi, là, je suis le frère de nos forces de défense et de sécurité. J'échange avec la plupart des généraux, des colonels et autres. Et je leur dis toujours, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Votre pays a plus besoin de stabilité, de paix. Il y a eu la rébellion, on a instrumentalisé des généraux, des officiers, des lieutenants dans notre pays. La plupart sont morts. Les deux Mathias sont morts. On a pris les deux Mathias pour faire coup d'État. Quand ils ont gagné, ils ont pris deux Mathias, ils ont mis au service civique. C'est-à-dire un soldat, on le prend, on le met ministre, service civique. Un soldat. On prend un soldat, on le met au service civique. On prend Doué. La rébellion rentre à l'ouest. Mais je vais revenir sur ça. La rébellion rentre à l'ouest. Doué Mathias dit à Gbagbo et les cadres du FPI, donnez-nous les armes. Donnez-moi les armes. Doué Mathias, vous connaissez Doué Mathias? Quand la rébellion était chef d'état-major, si je ne me trompe pas. Doué Mathias dit, donnez-moi les armes, je vais aller libérer l'Ouest. Doué Mathias dit, donnez-moi les armes, je vais aller libérer l'Ouest. Les gars du FPI ont refusé. Doué Mathias pleurait, il n'a pas eu d'armes. Pour libérer en tant que chef d'état-major. C'est-à-dire qu'il a l'armée, il est le patron de l'armée. Il n'a pas réussi à libérer sa région. Les gens l'ont bouclé. Dieu Mathias est mort dans la galère. Dieu Mathias est mort dans la galère. Dieu Mathias est parti. Alors qu'il avait coup d'état. Les choses, comme on appelle ça, le petit Atier, comme on appelle là, qui était autant de choses qui étaient de l'autre côté, on les a vues, autant de choses, Guy Robert. Des soldats se sont entretués pour faire plaisir aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Des soldats se sont entretués pour faire de plaisir aux politiciens en Côte d'Ivoire. Ils sont où aujourd'hui? Beaucoup ont fui, ils sont allés se réfugier dans des pays. Aujourd'hui, certains même sont devenus des cyberactivistes, ils insultent maman des gens. Ils insultent maman des gens, hier ils avaient des armes. Il traumatisait les populations au temps du régime Gbagbo. Quand on parlait, ils n'écoutaient même pas. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils insultent maman des gens. Il y a un qui est là-bas, on s'appelle Djedje, il est à Paris. Et aujourd'hui, il est devenu pro-Assimi Goïta. Des soldats de la République, qui sont devenus des politiciens. Des gens qui ont prêté serment. Des gens qui ont prêté serment.
Aujourd'hui, beaucoup ont fui parce qu'ils étaient instrumentalisés. Donc, moi, je. Voilà, Yapi. Yapi, voilà, merci. Contrôle, contrôle, comment tu vas? Touré de contrôle, voilà. En tout cas, je te salue. C'est lui, Yapi. Aujourd'hui, Yapi est mort. Beaucoup de soldats officiers sont morts parce qu'ils étaient instrumentalisés par des hommes politiques. Beaucoup de nos généraux sont partis, Doué Mathias et comment on appelle, Guy Robert. Mais demain soir, à 20h, je viendrai sur ça. Et je vais faire maintenant des vidéos pour m'adresser à nos forces de défense et de sécurité. Parce que maintenant, là, c'est là-bas même que je vais frapper fort. C'est là-bas qu'on va plus sensibiliser. C'est là-bas, parce que c'est sur eux, les seront comptes pour prendre le pouvoir. Seront comptes sur les armées, nos soldats pour prendre le pouvoir. C'est sur nos soldats. Mais nos soldats là seront plus vos. C'est-à-dire, ils seront plus à vos services. Ils sont à vos services maintenant. Depuis que Ouattara est là, ils sont au service de la République. Voilà les choses, ils sont morts. Comment on appelle ça? Ouattara. Les Ouattara sont morts. Les Bokayapi, les Ouattara sont morts. Beaucoup de nos soldats sont morts parce qu'ils ont voulu jouer le jeu des hommes politiques. Et après, les hommes politiques les abandonnent. Aujourd'hui, Assimi Goïta a peur. Assimi Goïta, il a peur. Doumbia a peur. Damiba a peur. Il faut qu'ils organisent les élections. Une fois que les élections sont terminées, là, seul, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Une fois que les élections sont terminées, le président qui va venir au pouvoir va les arrêter. Parce que le président n'aura plus confiance aux. C'est-à-dire, ce qui se passe au Mali, là, c'est dangereux. Ce qui se passe en Guinée, c'est dangereux. Ce qui se passe au Burkina, c'est dangereux. Demain, là, quand ils ne seront plus là, là, quand ils vont finir d'organiser les élections pour mettre, les civils là, vont commencer à les combattre. Ils vont les arrêter, ils vont les humilier. Mais c'est moi qui vous dis ça. En Suisse, il y a beaucoup de soldats, des gens qui étaient avec les régimes, ils sont réfugiés avec moi ici. Ils sont réfugiés avec moi, ils ont été des généraux, des colonels, des ceci. Aujourd'hui, là, on fait même job. On fait même job. Certains même parlent et puis pleurent. C'est-à-dire, ils me regardent et puis pleurent. Ils m'expliquent leur histoire. Ils me montrent leurs photos, leurs images. Des gradés, des hommes qui étaient bien partis. Mais leurs vies se sont écroulées parce qu'ils ont servi les hommes politiques. Ils ont servi les hommes politiques. Une armée, là, elle n'est pas faite pour faire les coups d'État. Les armées dans les pays développés, civilisés, sont au service de la République et de la nation. Elles combattent le terrorisme, les djihadistes, les bandits. Elles vont faire la guerre dans des pays pour protéger les intérêts de leur pays. C'est ça, aujourd'hui, là. La Côte d'Ivoire envoie des soldats dans d'autres pays. On envoie ça aujourd'hui au Mali. C'est qu'on est déjà, on devient une puissance. On devient une puissance. Aujourd'hui, on met nos armées au service de d'autres pays. Mais c'est déjà une fierté, c'est déjà une gloire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est sur la voie des nations. Vous allez voir demain, on va quitter là. On va aller en Irak. On va aller demain en Ukraine, dans de grands pays. Donc, c'est cette armée-là que nous sommes en train de former. Quand ça ne va pas, on viendra chercher les soldats ivoiriens. Parce que c'est des guerriers. Ils sont civilisés. Donc, chers amis, moi, je voulais un peu vous dire merci. Bon. Moi, j'ai déjà dit où. Il y a des gens, si tu n'as pas d'argument, moi je te bloque. Voilà, les injures là, moi je, ici là, je suis bien éduqué. Non, les injures, ça ne passe pas ici. Léa Taourou. Oh, mais ma soeur, comment tu vas? Ça fait 2 jours là, je n'ai pas de tes nouvelles là. Léa Taourou, comment tu vas? Mon frère Magitano, lui, c'est un go. C'est un soroïs go. Ils sont aujourd'hui pro-Soro alors que hier Soro a mélangé leur régime politique. 10 ans de pouvoir, Soro vous a humilié. Aujourd'hui, vous êtes devenus des partisans de Soro. C'est ça qu'on appelle des traîtres. Là. Quand on vous dit que vous êtes des traîtres, vous pensez comment? Les vrais traîtres, là, c'est ceux qui soutiennent le Mali. On a vos soldats et puis vous soutenez le Mali. Mais vous êtes des traîtres. Vous trahissez la République. Vous trahissez vos ancêtres. Vous trahissez le pays de vos parents. C'est-à-dire toutes les souffrances de vos parents, là, vous marchez sur ça aujourd'hui. Vous êtes des traîtres. C'est ceux-là qu'on appelle les traîtres.
Bon, il y a Bonike, Lema, Sonike, Lemé. 49 mercenaires, ils sont en justice. Mais attends, toi, tu penses qu'ils sont en justice, hein? C'est ça qui nous fait mal? Non. Normalement, même, ils ne devaient plus être en justice. Normalement, moi, j'ai déjà parlé. Assimi Goïta a attendu. Hein? Toutes nos premières vidéos, Assimi Goïta a compris. Du moment que tu arrêtes les soldats, Lema, je t'explique bien, tu vas comprendre. Monsieur Lema, ça dit Bonike, Lemé, Sonike, Lemé. Du moment qu'il a arrêté les soldats le premier jour, et puis les a traités de mercenaires, il avait déjà fait justice. Dès qu'il les a traités de mercenaires, il avait déjà fait justice. Il n'avait plus besoin encore de les envoyer devant la justice, parce qu'il sait qu'on l'a trop cogné. On l'a trop cogné. Quand tu arrêtes des soldats, tu les envoies devant ta justice. C'est la justice qui va dire qu'ils sont des mercenaires. Mais du moment que toi-même tu dis qu'ils sont mercenaires, la justice est terminée. Tu les condamnes et puis c'est fini. Il est en train de sortir des voiles. Il veut sortir. Il cherche une porte de sortie. Donc il dit, bon, je vais les amener en justice. Il organise des imams là. Il appelle ses frères qui sont en Côte d'Ivoire ici. Il dit, bon, on n'a qu'à former une délégation. Ils n'ont qu'à venir voir. Ils sont à l'autre. Lui-même, il nous a amené au Togo. Hein. Après, il a appelé Macky Sall. Après Macky Sall encore, il ne sait plus qui va aller encore. C'est-à-dire qu'il cherche. Il cherche parce qu'il sait qu'on ne cède pas. Nous, on a raison, on ne va pas céder. Notre ambassadeur, allez voir les soldats. Ils sont en pleine forme. Ils vont bien. Ils mangent. Ici, là, l'État s'occupe de leur famille. Donc, nous, on a brisé tous leurs plans. C'est-à-dire leur plan qui consiste à les garder pour soulever les soldats ivoiriens. Nous, on a bouclé ça. Nos soldats ne vont jamais se révolter contre la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on est serein. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire, ni de rébellion. Parce que c'était ça le plan de l'arrestation. Mon frère, comment il s'appelle, Soniket, il les a mis devant la justice. Mais c'est lui seul, il va les libérer. Parce que c'est ce qu'il attend. Tu sais pourquoi il les a mis devant la justice? C'est-à-dire, c'est pour justifier son arrestation. Les gens lui ont dit, tu ne devais pas dire depuis le premier jour qu'ils sont des mercenaires. C'était une erreur, une grave erreur qu'Assimi Goïta a fait. Il les a traités de mercenaires. Maintenant, tu les envoies devant la justice va dire quoi? La justice là va dire quoi maintenant? Ne soyez pas des incultes. Nous ne sommes pas vous des heureux et sociaux pour vous amener dans l'émotion. Moi, je suis en train de vous éduquer. Je vous explique les choses, je fais des recherches. Du moment qu'il les a traités de soldats, de mercenaires, ils n'avaient pas ce droit. Il les a traités de mercenaires. Il est juste pourquoi maintenant? Il dit qu'ils sont mercenaires. Il a dit qu'ils sont mercenaires. Non, il est juste pourquoi? Il veut s'en sortir, il cherche une porte. Il cherche une porte de sortie. Assimi Goïta cherche une porte de sortie. C'est pour ça qu'il l'amène devant son procureur. D'abord, il a tâtonné. C'est moi qui ai fait une vidéo ici, j'ai dit, mais il n'a qu'à les juger. Il n'a qu'à les juger. Moi, j'ai dit, moi, je suis respectueux de la justice. Si Assimi Goïta pense que nos soldats, il n'a qu'à les juger. Il a pris combien de temps avant de les amener devant le procureur? Il a mis du temps. Il a mis du temps avant d'amener nos soldats devant les procureurs. Après ça, là, il va se lever pour dire, bon, on m'a demandé pardon. Parce qu'il ne faut pas, les Maliens vont savoir qu'il ment. Mais les Maliens sont en train de découvrir Assimi Goïta. Tous les Maliens, aujourd'hui à 70%, sont en train de comprendre que Zassou a raison. Qu'au début, Zassou a dit que ce sont des otages pour faire du chantage à Ouattara, soulever l'armée de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne leur reproche rien. Donc, mon frère Chose, il ne faut pas ça là, ça va t'inquiéter. Si nous, on n'avait pas raison là, il y a longtemps, nous, on a demandé pardon. Et puis, on serait même pas là. Mais comme on a tellement raison, on ne lâche pas. Vous allez.